Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Très heureux de vous proposer cette nouvelle vidéo où je vais vous balancer les prochaines sorties de cette fin d'année. Donc il y a beaucoup de choses qui vont sortir en cette fin d'année. Il y a des choses à garder, il y a des choses à mettre de côté, on va voir ça ensemble. J'espère que bien sûr vous allez me mettre en commentaire qu'est-ce que vous attendez le plus en cette fin d'année. Octobre, novembre, décembre, 3 mois où il y a énormément de choses à cop. Les L ne sont jamais trop loin, ne l'oubliez jamais. En tout cas, le but... Second poteau Pavard. C'est que tout le monde soit au courant de ce qui va arriver sur le marché. Pour que le banquier soit prêt aussi, pour que maman soit prêt, papa. N'oubliez pas de mettre un gros pouce en l'air. Et bien sûr, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Merci beaucoup, bientôt les 10 000 abonnés, c'est complètement ouf. Je compte sur vous pour qu'on atteigne ces 10 000 abonnés le plus rapidement possible. Pourquoi pas à la sortie de cette vidéo, qui sait. En tout cas, je vous remercie d'être là. On part tout de suite sur les sorties de cette fin d'année. Je vais me déplacer un petit peu et on va regarder ça ensemble. C'est parti. On commence tout de suite avec la première paire qui va sortir très prochainement, mais genre très prochainement. Les raffles ont déjà commencé. Il s'agit de la Nike Blazer en collaboration avec Sakai. On revient à un basique niveau colorway. Il s'agit de la blanche et de la noire. Donc les deux coloris sortent le 12 octobre au prix de 160€. Quelques-unes des raffles, comme je vous le disais, sont déjà disponibles. Je vous mettrai les liens en dessous de la vidéo si vous voulez participer à ces raffles pour avoir le droit d'être tiré au sort pour l'acheter. Et oui, c'est avoir le droit d'être tiré au sort pour l'acheter. C'est pas être tiré au sort pour la gagner. Non, c'est gagner le droit de l'acheter, comme vous le savez. En tout cas, un modèle qui avait plu déjà pour les premiers colorways que je vous remets ici. Et ces deux derniers colorways sont vraiment ultra simple à porter, une paire noire, une paire blanche, toujours assez sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, mais balancez-moi en commentaire ce que vous pensez de ce modèle. En tout cas, 160€ le 12 octobre, vous êtes au courant maintenant. On continue avec la deuxième paire, et pour que tout le monde soit heureux, il y a les enfants aussi. Les enfants ou les grands-enfants comme moi, en tout cas, en cette fin d'année, sort une petite Mars Yard des familles. Quand je vous dis une petite, c'est vraiment tout petit. Alors, il y a trois modèles différents qui sortent pour cette Mars Yard. Il y a l'identique à celle des adultes. Il y a un plus petit modèle pour les plus petits enfants et encore pour les plus petits enfants. Donc voilà, trois modèles qui sortent le 9 octobre. Donc ça arrive super vite, là c'est les prochains jours. Donc n'hésitez pas à rester informé ou à télécharger l'application Sneakers de Nike pour essayer de cop cette paire. Je pense que ça sera pas trop compliqué de l'avoir, mais en tout cas si ça vous intéresse, entre 50€ et 80€ pour les prix de ces trois petits modèles. Donc si c'est une paire qui vous tient à cœur, que vous l'avez pas à vos pieds, pourquoi pas avoir aux pieds de vos enfants. En tout cas, voilà. Vous êtes informé maintenant. On va continuer avec la troisième paire. Passe-partout, balance vers la suite. On passe maintenant à une paire que vous attendez tous. En tout cas, vous êtes très nombreux à l'attendre. Bien sûr, dès que monsieur fait une collaboration, ça fonctionne. Je parle pas de Kanye West, mais comme vous voyez, Kanye West n'est plus la personne qui collabore avec une marque et qui fait tant de bruit. Maintenant, il y a aussi Travis Scott, un petit peu le petit frère spirituel de Kanye West. En tout cas, monsieur Travis Scott, il fonctionne au niveau de ses collaborations, bien sûr au niveau de sa musique aussi. Comme vous savez tous ou toutes, ça fonctionne. Et là, cette fois-ci, il nous sort une Air Jordan 6 Kaki avec pas mal de boulot qui a été fait dessus. Et elle est vraiment attendue. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas, mais je sais d'ores et déjà que vous êtes super chaud de cette paire. Normalement, elle doit sortir le 11 octobre. Alors, je dis normalement parce que, voilà, sur certains médias, on a vu, en tout cas, eu l'écho que la sortie pourrait être retardée. Donc bien sûr, si j'ai des infos, je vous balancerai ça sur mon Instagram. Donc bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram pour être alerté des dernières infos, des choses qui sont un peu inattendues. Ça se passe sur mon Instagram, monsieur-du-bas-franck. Si vous n'êtes pas abonné, c'est maintenant le cas. C'est maintenant le cas, rien à voir. C'est maintenant que vous devez vous abonner. Ça me ferait super plaisir de voir que Instagram aussi augmente. Bientôt 10 000 abonnés pour YouTube. On vise aussi les 10 000 abonnés pour Instagram. Beaucoup de choses vont venir, des looks. Je vais faire énormément de nouvelles choses sur mon Instagram également. Donc n'hésitez pas à vous abonner aussi. Et comme je vous disais, je vous tiendrai informé si cette Jordan 6 en collaboration avec Travis Scott est retardée. Pour l'instant, on n'en sait pas plus, c'est un peu flou. En tout cas, elle est super très attendue. Super très attendue. Ok. Donc déjà de base, la Air Jordan 6, c'est un modèle que j'apprécie. Là, il a fait des petites modifications sur la paire de base. Non pas forcément visuellement. Bon, certes, elle est kaki. C'est un colorway qui n'était pas sorti pour une Jordan 6. Mais c'est surtout qu'il a mis des petites choses cachées, comme une poche. Je vous dirai pas pourquoi, mais en tout cas, il y a une poche qui est caché au niveau de la longuette. Comme vous savez, c'est quelqu'un qui aime bien fumer, non pas que des Marlboro, mais voilà. C'est une petite poche qui peut servir aussi à mettre quelques petits centimes quand vous irez acheter votre baguette de pain dimanche matin. En tout cas, voilà, il y a un travail qui a été fait sur cette paire. Toujours, bien sûr, le Cactus Jack
à l'arrière de la paire. Un mélange de kaki, un mélange de blanc, mais des petits rappels de rouge comme la OG, donc ça c'est cool. Que ça soit au niveau de la languette arrière ou du serrage sur le devant, donc ça c'est cool. À la fois des petits liens qui font référence à la OG et puis des choses qu'il a voulu modifier. Et c'est vrai que c'est une paire qui est attendue déjà pour nous qui aimons porter les paires, mais aussi pour les resellers qui, voilà, à chaque collaboration avec Travis Scott, ça fonctionne, c'est rentable et ça fait gagner de l'argent, pas que pour Nike, mais aussi pour les personnes qui arrivent à avoir des paires et qui les revendent. Ça fait partie des paires les plus importantes dans cette fin d'année et vous savez maintenant pourquoi et vous saviez peut-être déjà qu'elle était très attendue. Restez connectés, peut-être le 11 octobre, peut-être plus tard, soyez connectés, Monsieur Franck sur Instagram, je vous tiendrai informé. On passe à la prochaine paire. On passe à la prochaine paire avec toujours une collaboration. On pensait que c'était finito, mais ça n'est pas forcément. Virgil Abloh, Virgil Abloh, je le redis deux fois de suite. Virgil Abloh, trois fois de suite, c'est pas possible. Virgil Abloh revient en collaboration avec Nike avec une paire très spécial, qui fait un peu penser aux dernières paires qui sont sorties avec justement ces paires très axées athlétisme. En tout cas, ce modèle Nike Zoom Vapor Street qui va sortir normalement le 12 octobre, donc pareil, elle est super attendue également déjà parce que c'est une off-white, mais aussi parce que, voilà, coloris vraiment sympa, le shape aussi vraiment intéressant. J'aime beaucoup, très sincèrement j'aime beaucoup. Les formes me plaisent beaucoup et elles me plaisent plus que les paires qu'il avait fait auparavant qui étaient celles-ci. J'attends de voir en vrai bien sûr, mais pour avoir en vrai, faudra déjà réussir à cop et non pas de se prendre un L. Un swoosh immense et bien fluorescent, d'ailleurs les couleurs sont principalement très flashy. Et la modification et la nouveauté un peu comme on pourrait dire, c'est ces lassages qui sont très bas et très atypiques. Donc voilà, moi j'aime bien, je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez de cette paire. C'est un petit peu un teasing d'ailleurs qu'il est sorti cette paire. Pourquoi? Parce que il y a une autre paire qui va sortir en collaboration toujours entre le designer américain et la marque américaine. C'est bien sûr la fameuse Dunk, donc Nike Dunk. On a déjà vu des photos et elle reprend cette particularité avec ses lacets. Ça me fait penser vraiment à des gars qui montent l'Everest, donc vraiment avec une corde qui est attachée à des clips. Enfin, le mec s'y connaît pas du tout en montagne, mais en tout cas voilà, vous m'avez compris. Et ces lassages sont vraiment intéressants. En tout cas, il a amené quelque chose de différent pour ses nouvelles collaborations. On pensait que c'était fini, mais comme vous voyez, le business étant là, la demande aussi, eh bien ça continue pour la collaboration entre Virgil et Nike. Donc voilà, cette Nike Zoom Vapor Street, elle va sortir normalement le 12 octobre. Et cette Dunk qui va également sortir en fin d'année. Donc comme vous voyez, il y a pas mal de choses intéressantes qui vont sortir en cette fin d'année. Des choses qui sont d'ores et déjà très 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 cotées. Ça reste comme de la collaboration avec Travis Scott. Là, on est sur du off-white avec Nike. Ça reste aussi très attendu et les prix seront complètement fous si vous n'arrivez pas à les avoir le jour de la sortie. Malheureusement, c'est un peu le jeu, ma pauvre Lucette. Mais voilà, ça fait partie du game. Il faut l'accepter. On est en 2019. Je vous apprends rien. C'est le jeu. On est tellement nombreux à vouloir ses paires. C'est de plus en plus difficile. Mais on lâche rien. On va continuer à faire en sorte, bah déjà moi, d'avoir les paires pour vous proposer du contenu. Parce que c'est vrai que ces temps, j'ai malheureusement pas pu avoir grand chose et malheureusement pas pu vous faire autant d'unboxing que j'aurais voulu le faire. Mais voilà, on va se rattraper en cette fin d'année, il reste 3 mois, ça va le faire, vous inquiétez pas. Et puis on fait un lien Off-White Nike avec la collaboration aussi attendue vraiment comme le Messi, la collaboration Off-White avec IKEA qui sort en cette fin d'année, enfin j'ai envie de vous dire, après toutes les péripéties de l'année passée avec ces sorties repoussées, ces sorties annulées à cause de débordements à Paris. Voilà, c'est enfin prévu en cette fin d'année pour les sorties des items IKEA Off-White. Donc j'ai hâte, très sincèrement, j'ai vraiment envie de choper. En tout cas, le sac, ça serait cool. Un des deux formats du sac, j'aime beaucoup. L'horloge, pourquoi pas, mais ça c'est vraiment en dernier lieu. Un tapis, bien sûr, hein, qui n'a pas envie de son petit tapis Off-White. Le tapis ticket, je l'aime beaucoup. On verra si les autres tapis ressortent. J'ai pas d'infos encore pour ça, mais voilà. On est super chaud, en tout cas moi j'ai hâte de pouvoir avoir quelque chose de la collaboration IKEA Off-White. Restez informés vers chez vous, il y a sûrement un IKEA, restez informés sur ce qui peut sortir, en tout cas les dates sont pas encore officielles, mais ça ne saurait tarder en cette fin d'année. On repart sur une paire maintenant, c'est parti. Autre sortie attendue en cette fin d'année, c'est la Adidas Yeezy Boost Yeechel. Nom assez chelou, paire aussi assez chelou, mais voilà, il en faut pour tous les goûts. La paire a une dominance noire, un petit peu de rouge, un petit peu de blanc, on dirait vraiment limite un custom. Mais en tout cas, ça sort en décembre, donc c'est toujours, voilà, malgré tout ce qu'on peut dire, Yeezy est toujours attendu et plaît toujours et est toujours sold out. Donc Yeezy Yeechel qui sort en cette fin d'année, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez de la paire. Je vous mets des photos aussi pour que vous fassiez un petit peu votre
votre avis. Mais voilà, c'est assez spécial. En tout cas, c'est pas et de loin la plus belle à mes yeux. Mais voilà, elle fait partie des sorties de cette fin d'année. Je mets pas que des choses que j'aime, comme vous voyez. Je mets des choses que, voilà, qui peuvent plaire à tout le monde. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de cette paire, de ce colorway. Ensuite, je vais vous parler d'une Adidas NMD G-Snake. Collaboration avec le shop Atmos. Comme vous voyez, l'inspiration est vraiment reptilien. Mais voilà, j'aime beaucoup. Ils ressortent ce modèle que moi, j'appréciais énormément et qui voilà maintenant est passé un petit peu aux oubliettes. Le modèle reviendra sûrement un jour, mais en tout cas ça plaît beaucoup moins, mais j'aime beaucoup. Voilà, je suis pas fan de ces imprimés, mais pourquoi pas, avec un look assez sombre ça peut être stylé, pourquoi pas même un look assez coloré. En tout cas elle sort en ce début octobre et la particularité c'est qu'elle sort exclusivement pendant l'événement AtmosCon, qui est une convention qui se trouve au Japon. Elle se trouvera exclusivement pendant cette convention. Donc soit il vous faut un proxy, soit vous la trouverez sûrement sur StockX ou sur Kleck dans quelques temps. Mais voilà, paire intéressante, à vous de juger, à vous de me dire ça en commentaire. On enchaîne. Ensuite, je vous parle d'une paire B-Ball, la Nike LeBron Icon Quick Strike, en collaboration avec le designer John Elliott. Donc il y a déjà des paires qui sont sorties en collaboration avec une paire de LeBron et John Elliott. Là, on a un modèle qui ressort, qui s'appelle Parachute Beige. Donc bien sûr, comme son nom l'indique, dominance de beige. La paire est toujours aussi sublime, une qualité de matériaux magnifique. J'ai eu la chance de voir le coloré OG en vrai et la paire est vraiment très quali. Alors certes c'est une paire de b-ball, ça se met moins lifestyle, mais quoique ça peut toujours se matcher. En tout cas c'est une paire qui est attendue, c'est un designer aussi qui a fait beaucoup de bruit ces derniers temps. Donc voilà, c'est une paire qui sort le 12 octobre, soyez connectés si c'est un modèle qui vous intéresse. Et en plus de ça, avec la collaboration avec la marque de John Elliott, ça sera sur l'application Nike et sur d'autres shops également. Donc informez-vous si cette paire vous intéresse. Elle sort au prix de 250€, donc ça fait mal, mais bon, la quali est là, donc faites-vous plaisir si vous en avez envie. Ensuite, je vous parle d'une Air Force One Skeleton. Donc elle était sortie il y a pas mal de temps déjà en blanche et là elle ressort en noir et je la trouve magnifique. On a eu très peu d'informations concernant cette sortie et elle sort en fin de mois, donc le 25 octobre, sur l'application Nike et chez certains revendeurs, donc soyez connectés. Si elle vous intéresse, elle sort au prix de 110€, donc ça va, ça reste correct. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez. Avant-dernière paire que je vous mets en avant pour cette fin d'année, c'est la Adidas Torsion en collaboration avec North Project. J'aime énormément ce label, c'est un label qui est danois. Et là, pour les 30 ans de la Adidas Torsion, ils collaborent ensemble. Le modèle, je le trouve incroyable. Alors oui, bien sûr, c'est pas hype de fou, mais quel modèle, quelle paire. La quali a l'air complètement dingue. J'ai vu que des photos, mais ça a l'air vraiment quali. Je vous montre en même temps que je vous en parle. Et puis en plus, les photos, le shooting est super beau. Un vrai modèle classique de chez Adidas. Donc Torsion, les 30 ans pour ce modèle cette année. Collaboration avec le label danois North Project, que je trouve magnifique. C'est le 26 octobre que ça sort sur le site Adidas, sur le site North Project également. Comme le dit si bien Jiffy, si ce n'est pas hype, c'est gaulerie. Là en l'occurrence c'est pas si gaulerie que ça, mais c'est très quali. Merci Jiffy. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Moi en tout cas ça m'a fait kiffer de vous présenter les futures sorties de cette fin d'année, octobre, novembre, décembre. Peut-être d'autres choses vont être annoncées d'ici là. En tout cas soyez connectés à mon Instagram monsieur-du-bas-franc. Voilà, si de nouvelles choses arrivent, si des paires sont retardées, pour être connectés et alerter tout ça, c'est le Instagram monsieur-du-bas-franc. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a fait kiffer. Je vous dis à très très vite. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Je vous aime. À bientôt.